Merci, Lord. Arena of solution and power. Merci, Lord. Arena of solution and power. My name is Adama Iyama. I'm from Edo State, Auchi. My testimony goes like this. My husband first married before. 3 years, the woman not born. The woman can't go. He said, the man, till now they walk. Now they can't get married to me. 2004. Now I call the what this messy channel. Never say operation, carry your Samuel day last year. Now my mother law call give me money. Me I take go. Now I call con. As you call cocoa, no man of God pray for ample. Because may we eat one for year. May we carry one go us. Now I eat one for year. Now I carry one go us. As I reach us, now me, my husband can eat the many one. As I can see now, that is it. Praise the Lord! Put your hands together for Jesus Christ. Are you happy for our sister? Are you sure? Did you hear what our sister said? For the benefit of the viewers all over the world, our sister said, before she married her husband was married, and there was no issue. When she got married to her husband, she did not know about it. And when she came after 1 year, she was never pregnant. And people were laughing at her, telling her, why did you go and marry that man that cannot impregnate a woman? And on a faithful day, her mother-in-law watched Mercy TV and invited and told her, my daughter-in-law, please, I want you to go for that program. And she actually obeyed and she came. And the man of God prayed for the women. She took her apple. She went back home. She got pregnant. Today you can see the evidence of the pregnancy. Put your hands together for Jesus. Those people that were laughing at her husband, laughing at her, today they are here to even testify with her. Put your hands together for Jesus. So whatever laughter people have been, whatever thing that is making people to laugh at you, tomorrow they will come and testify with you. They will come and celebrate with you in Jesus' name. Vous avez écouté le témoignage de cette femme qui est ici ce matin pour retenir la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait dans sa vie. Il dit depuis très longtemps, ça fait environ depuis 2014 qu'elle est en quête du fruit des entrailles. Alors c'était vraiment un problème dans sa vie de telle sorte qu'on se moquait d'elle et elle a pleuré, elle s'est rendue un peu partout espérant pouvoir concevoir et donner naissance à son bébé, mais c'était une chose très difficile de telle sorte qu'on se moquait d'elle et en plus son mari avait un problème de partie génitale ou encore son organe génital ne fonctionnait pas. Alors c'était un problème très sévère, tu vois, donc ce qui fait qu'elle était très inquiète. Un jour donc elle a commencé à regarder MSI TV, elle a vu les miracles qui se produisaient ici. Alors lors du programme intitulé « Tu dois porter ton Samuel », elle a décidé de venir ici à l'église. C'est ainsi qu'elle est venue. Alors elle est assise au programme. C'est ainsi que l'homme de Dieu a prié pour elle, prié pour toutes les femmes qui étaient en quête du fruit des entrailles. La puissance de Dieu l'a visitée. C'est ainsi que par ce même fait, elle est tombée enceinte. Comme vous voyez l'évolution de son ventre, elle est ici avec sa grossesse. Également cette paume de France qui est en main comme preuve que Jésus-Christ a utilisé cela comme point de contact pour essuyer les larmes de l'astérité, mais également un thème à cette moquerie dans sa vie. Et ici pour retenir la gloire à l'Éternel pour cette restauration merveilleuse dans sa vie. Gloire au Seigneur. Let your testimony be permanent in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus.